que Nicolas, il est arrivé, il a calculé personne. Pendant un ou deux jours, il a parlé à personne. Il a parlé, quand je dis à personne, ça veut dire qu'il restait que avec son groupe. L'effet de groupe, ça lui monte à la tête, malheureusement. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires du genre, après j'ai pas regardé The Power, mais apparemment dans The Power, quand il avait pas ses amis, les Marseillais, il était pas comme ça. Je pense qu'il a un bon fond, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça. L'effet de groupe, ça leur monte à la tête, ça leur fait pousser des ailes. Je pense que c'est juste quelqu'un d'influençable. Genre Nico, il fait le beau comme ça, à lancer des piques et tout, mais en vrai, c'est un mec, voilà quoi, sans ses potes, il est pas comme ça. C'est dommage parce qu'on voit pas sa vraie personnalité quand il est avec ses potes, quoi. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il ait des alliés. Donc il a commencé à aller voir les nouveaux. Les nouveaux, ils se sont dit quoi? Mais allô, aussi, je suis dans l'équipe de Lozina. C'est un ancien, c'est sûr, je vais aller grave loin. Donc malheureusement, il y a beaucoup de nouveaux qui se sont dit c'est safe d'aller dans son alliance. Enfin, ils ont été hyper influençables, genre naïfs et tout. Et du coup, voilà, ils sont ralliés à eux. Mais les nouveaux, ils préfèrent s'allier aux anciens. Ils se disent ah ouais, eux, c'est sûr, sans se mettre avec eux. Genre, faut savoir que Nicolas, il est arrivé, il a calculé personne. Pendant un ou deux jours, il a parlé à personne.